Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Fulmino, ton nouveau youtubeur préféré. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du nouveau clip de Leto. Il vient de nous sortir une réédition de son album 17%. Donc déjà pour moi cet album, il était vraiment pas mal, hein. Déjà il y avait le son éponyme 17%, voilà. Il était vraiment lourd ce son. Ensuite il y avait un feat avec Chacola. Il y avait 2-3 sons qui m'étaient restés en tête. Bon les gars, excusez-moi, je mets la capuche, mais en vrai ma coupe c'est tellement un dégât que je vous épargne ça les gars. C'est pour notre bien à tous. Sans transition les gars, je vais activer la technologie hyper magique de ce PC de la NASA les gars, hop, voilà, et pendant que je l'active, évidemment, vous connaissez le rituel les frérots, on s'abonne à la chaîne YouTube, on est bientôt les 1000 abonnés, je crois, il reste très très peu de personnes à s'abonner, on est bientôt les 1000, le 1000ème abonné, il gagnera 100 000 €, je m'engage à offrir 100 000 € au 1000ème abonné, c'est évidemment faux mon frérot, tu remercieras juste un petit cœur sur ton commentaire, mais en tout cas, ça fait plaisir, je vous attends les gars, je vous attends, abonnez-vous, ça fait plaisir, un petit like, un petit commentaire, vous connaissez, enfin bref, on se retrouve donc avec ce clip, les Mozart, Capitaine Jackson, épisode 2. Les gars, on voit quoi? Ce premier plan me va à ravir. Petit sweet Céline, franchement, je kiffe. Y'a quoi derrière? Une petite A45 AMG, si je dis pas de bêtises. Let's go! On lance le clip, on va turn up et ça fait plaisir. Ah oui! Là y'a de la vague derrière, les gars. Petite A45, là je crois y'a. C'est 63, en vrai, je sais pas. Et j'ai vu une petite Audi aussi. Ok, on a un petit Bob Céline aussi, j'avais pas vu. Le petit Bob Céline qui fait plaisir. Bon, la paire de lunettes, c'est quoi? C'est peut-être des Prada? C'est Mozart, Capitaine Jackson! Oh, c'est lourd ça! Edited by Screen Moon. Ok, connais pas, mais c'est lourd. J'aime bien le style là aussi avec la petite cagoule. La North Face aussi, les gars. North Face, bah je coupe toutes les 2 secondes, mais en vrai, j'ai jamais commenté ce que je vois. La North Face, c'est lourd, hein. J'aime bien les coloris. Pow. Oui. Ok, j'avais raison les gars, petite A45. Bon allez, j'arrête de couper, le son est incroyable. Attends, il a dit quoi? La vie c'est pas facile, que Dieu fasse que mon fils ne soit pas flic. Ok les gars, on aime la punch, on aime la punch. Mais les gars, le clip il est tourné dans un métro là, non? Franchement, j'aime bien le plan là, ça fait avec toute la team et tout, ça change de quand ils sont en bas des tours et tout. J'aime bien le délire. Eh, on kiffe en vrai le petit sweet Céline qui est accordé avec la petite A45 derrière. Franchement, lourd. Par contre, toutes les voitures là, en vrai, on a vu les plaques, hein, c'est que de la loc, mais bon, en vrai, vas-y, c'est bon. T'es pardonné, Leto, t'es pardonné. Oh, attendez, y avait quoi là? C'est quoi sa paire? C'est de Air Force One? Non, je rêve là. Il a mis juste une paire de Air Force One normale. J'aime bien le pantalon, j'aime bien le style avec les petits strass qui rappellent les strass qu'il y a sur le Céline. Mais il a mis juste une paire d'Air Force One. En vrai, il aurait pu faire un truc un peu plus stylé, un peu plus recherché. Mais bon, le outfit est quand même original. Je donne un petit 7 sur 10. Allez, hein. Non, en vrai, 6 sur 10. Parce que les strass, c'est quand même un peu. Ah, j'aime trop quand c'est commencé à éditer là. Là. Quand il se met en plein comme ça là. Ah, je kiffe en vrai, je kiffe. Oh, petit signe Joule. Petit signe Joule du Leto. Peut-être un feat avec le J. Un feat avec le J bientôt, peut-être. Hein. Ok. En vrai, franchement, Leto, on est sur un bon clip. J'aime bien le style un peu dansant et tout. Le clip, après, on est sur quelque chose de classique. Les edits, j'aime bien le fait quand il y a les petits Leto qui se mettent en plusieurs et tout. J'aime bien aussi quand c'est tourné dans le métro. Ça change. Et puis après, bon, le truc avec les voitures, tout ça. Ok, ouais. Bon, ça aurait pu être un peu plus original. Mais après, bon, c'est du Leto. Franchement, non. Si je mets une note sur le son, je vais le noter, je pense, un bon 7,5 sur 10 en vrai. Parce que je pense qu'on peut bien s'ambiancer, on peut l'écouter comme ça, sans forcément être dans un truc, dans un mood spécial ou quoi. Il passe bien, je pense. Et sinon, après, ouais, le clip, je vais mettre 6,5 sur 10, je pense, en vrai. Parce qu'il est pas non plus trop original. Les outfits, ouais. J'aime bien la petite North Face, là. La North Face, en vrai, elle passe bien. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être plus stylé. Voilà, les gars, du coup, c'était ma petite analyse du clip de Leto, Mozart, Capitaine Jackson. Je vais de suite aller écouter la réédition parce que j'ai vu qu'il venait de sortir un feat en plus avec Guy de Bass Bar. Et ça aussi, j'aime bien. Du coup les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du clip, si vous avez kiffé, ce que vous pensez de Leto, si sa réédition est bien, tout ça. Venez, on discute de rap dans les commentaires, ça fait plaisir. Un petit like à la vidéo, abonnez-vous les gars, bientôt les 1000 abonnés. Je vous dis à la prochaine, à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Fulmino, ton youtubeur préféré. Zbao!